Wesh les potos, on se retrouve aujourd'hui pour que je vous aide à réaliser une mission de Midas. Alors la mission c'est d'éliminer un joueur ou un acolyte avec une arme légendaire ou l'arme d'un chef. Alors moi ce que je vous conseille c'est d'attaquer les acolytes, ce sera beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide. Alors si vous voulez attaquer les acolytes, vous allez devoir lancer en solo, duo ou section parce que en foire d'empoigne, les acolytes n'apparaissent pas. Alors ensuite, ce que je vous conseille, c'est d'aller chercher directement l'arme d'un chef. Alors les chefs, c'est tout simplement les boss des lieux dits où il y a des acolytes. Je vous affiche une map avec tous les emplacements des chefs. Ce que vous pouvez faire, c'est aller chercher directement l'arme du boss qui est au numéro 6, qui est Miao's Clé. Comme ça, vous prenez son arme. Là, il n'y aura aucun autre acolyte par contre, mais il sera tout seul. Donc, vous pouvez lui prendre son arme et puis aller dans une autre base d'acolytes pour éliminer un acolyte. Alors je vous affiche une map avec tous les emplacements des acolytes. Comme ça, vous aurez juste à vous diriger vers une base où il y a des acolytes. Et ensuite, vous avez juste à éliminer 3 acolytes pour réaliser ce défi. Alors vous n'êtes pas obligé d'utiliser l'arme d'un chef. Si maintenant vous trouvez une arme légendaire, donc une arme en or, vous pouvez tuer des acolytes avec. Ça fonctionnera de la même façon. Et si vous voulez, vous pouvez carrément le faire en foire d'empoigne si vous préférez le mode de jeu foire d'empoigne. Mais il vous faudra trouver une arme en or qui spawn principalement dans les largages de ravitaillement et bien sûr dans des coffres si vous avez de la chance. Par contre, dans ce mode, il faudra tuer 3 adversaires. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était sur Cool Mec et ciao. Peace.